Il y en a qui sont fans de Saint Seiya dans le chat. Attendez, j'ai pas mis annonce. Hop, voilà. Là, je fais annoncer les pseudos. Voilà. Et maintenant, il faut que je valide. Et voilà. Ok. Bon, normalement, c'est bon. Là. Mon abonnement le plus rentable. ah oui, tu demandais l'Orcana, c'est déjà passé, ouais. Trop trop cool, ça fait plaisir en plus de voir vos messages là dans le chat. Ça fait trop plaisir, donc c'était, y a eu 561 participations. Ça fait plaisir. Hop. J'archive ce giveaway, mais je laisse la page ouverte pour tout à l'heure. Attends. Remember. Archive. Ah oui, d'accord, oui, ok, oui. Ah oui, non, c'est. Moubot me dit que je peux faire deux giveaways en même temps. Mais il faut les archiver pour pouvoir libérer des slots. Mais pas de soucis, c'est ce que j'ai fait. Ok. Brûle mon cosmos, les météores de Pégase. Tout à. Ah, je vois qu'on a des connoisseurs dans le chat. Ah! Alors, je vois qu'il y a du cosmos dans le chat. J'ai les films en VHS. Oh putain! Oh la vache, soudainement, la moyenne d'âge du chat vient de prendre 12 ans dans la gueule. On va voir des vitraux dans les Saint Seiya. Est-ce que tu as des cartes capteurs Sakura? J'en ai déjà ouvert, effectivement. C'était des séries Weisschwartz. C'était Okiniland qui me les avait envoyées. Ça connoisse un peu, hein, je vois ça, je vois ça. Ah, bah attends! Donc, ça, c'est la première extension, hein, Caillou. J'avais déjà ouvert l'extension numéro 2 en live et l'extension numéro 3 vient de sortir mais j'en ai pas encore acheté. Je vais juste aller chercher mon album Saint Seiya, comme ça vous verrez un peu ce que j'ai déjà en stock. J'ai tout vu 4 fois. Ah ouais putain, ah, tu connais trop quoi. Attendez, j'arrive. Test. Ok. Merci Laurent pour le Prime. Oh putain, Laurent qui continue. Incroyable. Alors voilà, ça c'est mon album, donc Saint Seiya Kaio. Alors, je vais vous montrer donc l'extension 1. Normalement, c'est celle-là. Parce qu'à la base, j'avais fait un album pour l'extension 2. Mais... Ouais, je crois que ça c'est... Oui, ça c'est l'extension 2. D'ailleurs, il me manque quelques cartes classiques. Ah oui, c'est ça. En fait, ils font des séries avec 4 cartes sur certains personnages. Après, ça, c'est les SSR qui sont très, très cool. Je vous les montrerai en détail. Ah oui, voilà, les cartes avec les armures qui sont très belles aussi. Ça, c'est les cartes, voilà, les cartes vitraux. Donc ça, c'est la deuxième série. Et ça, c'était les cartes un peu plus rares, les UR. Avec également les MR qui sont très recherchées. Et donc la série 1, donc ce qu'on va ouvrir maintenant, donc voilà, donc ça c'est ces cartes-là. Ça c'est ces cartes-là. Donc c'est un TCG chinois, mais qui, contrairement à beaucoup malheureusement de séries qui viennent de Chine, bah là pour le coup c'est officiellement licencié. Donc ils ont, voilà, ils ont officiellement le... Ah, j'ai pas vu qu'il y avait un message. Merci Sacha Roxa pour le 72e mois. Merci beaucoup. Merci à toi de monter en plus les giveaways possibles. Donc voilà, c'est en partenariat officiel avec les ayants droit, donc il n'y a pas de souci. Et c'est pour ça aussi que j'aime bien ce TCG, enfin ces cartes de collection, ce ne sont pas des cartes à jouer. Et voilà, c'est qu'au moins vous avez donc vous avez un produit qui est officiel et qui honnêtement rend très très bien. Regardez notamment ces cartes SSR là, vraiment c'est de toute beauté. Et donc voilà, ça c'est des SSR aussi, on voit qu'il m'en manque une, deux, trois. Et voilà, après vous avez les cartes, ces cartes-là, donc avec les armures, pareil, qui sont très jolies. Donc c'est pas les cartes vitraux, hein. Les cartes vitraux c'était sur OP 02. Là ce qu'on va ouvrir c'est du OP 01.
Très joli ça aussi. Et je crois qu'il y a... Ah oui, voilà. Ah mais si, il y en a, pardon, j'ai rien dit. Il y a bel et bien des cartes de style vitraux qui sont là. Et une seule carte UR, oui, parce que sur l'extension 1, le taux de drop était quand même très très faible. Donc voilà, sur un seul display, voilà, le max qu'on puisse avoir, c'est je crois une UR avec quelques SSR et les cartes vitraux et tout, quoi. Voilà. Donc, taux drop qui a été amélioré après pour la série 2. Et là, la série 3 qui vient de sortir, apparemment, il y a des cartes numérotées. Enfin, c'est un délire, quoi. Donc là, voilà, ce que j'ai sous la main, donc c'est deux displays de, Kaioh première extension. Et bah, on va voir tout ça. Donc, vous avez les taux de drop, enfin, vous avez les répartitions. Donc ça, c'est les cartes classiques, les SR, les SSR qui sont très jolies. Moi, je les aime beaucoup. Les AR, les QR. Donc, les QR, c'est les cartes vitraux, je crois. Les UR qui sont bah, très recherchées, mais je crois que c'est une seule par display. Et ensuite les BP, donc c'est les cartes vraiment beaucoup plus rares, qui sont assez majestueuses. Et la SE, c'est un vitrail avec Athéna de profil, qui est une carte. Voilà, c'est vraiment le drop ultime de cette première extension, c'est la SE de Athéna, qui est une carte qui se vend, je ne sais plus, je crois, sur eBay. Il y a des ventes réussies à 1 200 €, je crois, un truc comme ça. Donc voilà, carte très rare, peu de chance de la trouver, mais sait-on jamais. À défaut de l'avoir, on peut au moins avoir des cartes plutôt sympathiques. Salut Belle Brunien, ouais, t'as loupé l'Orcana, c'était au tout début de journée. Tout début de journée. Alors attends, normalement il y a une ouverture facile. Ah voilà, j'étais sur le point de hurler, mais tout va bien. Saint Seiya. Ouais, du coup, l'extension 3 qui est sortie aujourd'hui, enfin aujourd'hui, cette semaine en tout cas, est-ce qu'il faut faire Matsup Matspé pour ouvrir ça? Ça se passe comment? Allez, édition 1, vous voyez, vous avez le petit stamp qui est là. J'invoque Athéna. Bon, ceci dit, on a eu une enchantée sur l'Orcana, on a eu une Dawn Gold sur One Piece, on a eu... On a eu un pack Pokémon avec 8 boosters, on a eu 8 drops, donc un taux de drop de 100%. En vrai, là aujourd'hui on fait un peu une ouverture de ouf, quoi. C'est genre vraiment, quoi. Ça existe encore les cartes Dragon Ball? Ouais, bien sûr, il y a toujours des nouvelles séries qui sortent au Japon et en France, enfin en Occident. Donc, alors au Japon ils ont des séries qu'on n'a pas en France et vice versa. Mais ouais, ça continue, c'est un jeu, le TCG Dragon Ball est toujours joué, pas autant que Pokémon ou Magic bien sûr, mais il y a toujours des gens qui jouent, et voilà quoi. Je vous montre un petit peu à quoi ressemble le booster, voilà. Édition 1 bien sûr, avec l'équipe de chevaliers, et Athéna, bah, je crois que c'est ça, hein, c'est ce visuel là d'Athéna, mais sauf qu'il y a des enluminures autour, la fameuse carte de ouf. Iki, je crois qu'il me manque une seule carte. Donc c'est des boosters de 5 cartes. Avec à chaque fois donc 2 cartes R. Donc c'est les cartes rares, même si c'est les cartes classiques finalement. 2 séries en cours en plus. Alors que Kenosuke qui vient de donner 5 subs de plus. Incroyable, merci beaucoup Kenosuke pour le soutien. Et Twitch qui a offert un sub à Widix en supplément. Allez, c'est parti. C'est parti pour cette série, la première hein, de Saint Seiya Kaioh. Voilà, donc ça c'est les fameuses cartes SSR, vous voyez, ça rend super bien. Là, ce que vous avez vu en preview tout à l'heure, c'était vraiment une fois slivé et dans l'album. Mais voilà, hein, sans slivé, vous voyez, ça ressemble à ça, donc c'est quand même des très très belles cartes. L'effet de foil est plutôt très cool. Et au verso, ça ressemble à ça. Allez, on commence avec l'armure de Pégase avec ses cristaux là. C'est chouette, hein? Oh, et la petite SR de Shun. Petite SR de Shun avec la chaîne. Alors, je vais essayer de les classer. Attends, les SR, je vais les mettre là. Les armures et les SSR, je vais les mettre là. Parce que ça, c'est les cartes qu'on va le plus avoir. Trop de foil à mon goût. Ah, bah, c'est des cartes qui en font des caisses, hein, ça, c'est sûr. Comme c'est pas des cartes pour le jeu, c'est vrai qu'ils ont vraiment, joué ça. Black Pegasus. Thor. Oh, très belle carte ça. Ouah, les SSR horizontales là. Putain, vous avez vu ça un peu, les effets qu'il y a dessus? Je trouve ça trop ouf, quoi.
trouve ça trop ouf. Ça, c'est du SSR, ouais, c'est ça. L'armure du phénix, très belle également. Et en dessous, encore une chaîne. Alors attends, je vais mettre ça comme ça. Et ça, c'est une SR classique. Donc les SR, comme je vous dis, c'est en fait c'est 4 ou 5 personnages et il y a 4 visuels différents de chaque personnage. Ils avaient déjà fait ça pour la série 2. Bon, ça, du coup, c'est la série 1, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un truc récurrent. C'est comme les chibis. Les chibis vitro, là, ils rentrent trop trop bien, quoi. Black Swan. Bud. Petite Bud, en vrai. Petite Bud Light, là. La SSR. Très jolie. Ah, le cancer. Alors, attends, il faudrait que je regarde le cancer en chibis vitrail, là. Il faudrait que je regarde, finalement... avec Iki en dessous. Je vois ce que j'ai déjà et ce que j'ai pas. Parce que le but, c'est quand même que je complète mon album. Mais toutes les cartes en double, je vais vous les filer, bien sûr. Alors, laissez-moi juste regarder mon album. Le cancer. Voilà, moi, j'avais déjà le taureau et le capricorne. Donc là, j'ai le cancer en plus. Trop bien. Cette phrase peut sonner un petit peu bizarre, bien sûr. Alors par contre, je crois que le format des cartes cailloux est un peu plus petit que les cartes classiques. Vous voyez, si j'essaie de la mettre dans une perfect fit... Ouais, on se rend bien compte qu'il y a, vous voyez, sur le côté, il y a un petit millimètre. Je crois que c'est le format des cartes Yu-Gi-Oh! Il me semble. Il me semble. Bon, c'est pas trop grave, quoi. Ok, donc celle-là, je la mets de côté parce que je sais que je l'ai pas. Et la Iki SR... En fait, Iki, il m'en manque une seule. Vas-y, fais voir. Non, si, celle-là, je l'ai. Ok. Let's go. Un conseil sur où en acheter. Bah, moi, celle-là, je les ai achetées chez Parkage. Dans la commu, il y avait des gens qui me disaient que sur eBay ou sur Grand Anime Card, il y en avait pas mal. Problème de Grand Anime Card, c'est qu'ils vendent aussi des cartes qui n'ont pas de licence officielle. Donc, bon... C'est pas des contrefaçons, mais c'est pas des trucs Lego, quoi. Donc ça me fait un peu chier, quoi. Mais par contre, ils vendent aussi du caillou. Donc caillou, ils en ont de façon legit. Phoenix. Et en dessous, Yoga. Yoga Fire. La SR. En tout cas, ouais, sur Parkage, ils en ont, mais ils ont jamais beaucoup de stock. Donc faut en choper au bon moment. Et voilà, quoi. J'en ai vu dans un Leclerc des cartes cailloux comme ça. Ah ouais, bah, c'est possible en vrai. C'est assez peu probable, mais c'est pas impossible. Pff, quelle carte de ouf hein. Carte SSR, je crois pas que je l'ai celle-là. SSR, elles sont ouf. Eh ouais, je l'ai pas celle-là. Trop bien. Je vais compléter la collecte. L'armure du Capricorne. Et en dessous, on a Shiryu. Avec les scènes de cascade là qui étaient ouf. Tu pourrais montrer des plus belles cartes? Bah, je vous les ai déjà montrées à l'instant en fait. Hein. J'en ai pas d'autres que ce que je vous ai montré quoi. Tellement brillant que c'est invisible. Oh ouais, non. Encore une fois, ça en fait des caisses, mais c'est ok, quoi. C'est pas des TCG qui sont chers. Hein. Je rappelle que là, le display, c'est 40-45 euros. Hein. Comparé à One Piece ou Pokémon, c'est quand même très correct, quoi. Très bel SSR. Alors, c'est qui les personnages? Rah, je vous avoue que je connais pas, moi. La cam fait ça. Bah la cam, effectivement, fait ressortir les contrastes et le brillant. Mais honnêtement, là, la carte, je l'ai sous les yeux. Je me fais aveugler quand même. Hein. Donc. Chaka de la Vierge. La Vierge et le Lion. Ok. Le Scorpion en dessous. Et Shiryu, une fois de plus. Merci, Wistiket, pour le 6e mois. Ah non!
pour le sub T1 6 mois à l'avance. Putain, mais c'est trop trop cool. Merci vraiment beaucoup hein, pour ça. Ça, j'en ai parlé à un moment donné hier en stream, mais vraiment, quand vous prenez des subs plusieurs mois à l'avance, moi ça me touche beaucoup parce que vraiment je me dis putain, et ça veut dire que vous croyez en moi sur le long terme. Et plus qu'un sub T2 ou T3, moi c'est vraiment un truc qui me. Enfin, je sais pas, ça me fait un peu halluciner et je trouve ça trop bien. Donc merci beaucoup, vraiment. Voilà. Bah, merci à toi, Oustiquette. Oustiquette. Comment il s'appelle le vieux papy qui est là? Le vieux papy. Le vieux monsieur qui est là au premier plan. Doko. Ok. Alors juste que vous resituez. Moi, Saint Seiya, j'ai regardé. Mais vraiment, à l'époque, vraiment les premières diffusions de télé française. Mais ça fait vraiment. Je pense que ça fait pas loin de 20-25 ans que j'ai pas vu le moindre épisode, la moindre OAV, quoi que ce soit, quoi. Donc c'est pour ça que ma mémoire est assez lointaine sur cette série. Mais j'aimais bien. Chevalier de la Balliance, le vieux. Ok. Club d'eau, bah ouais, c'est ça. Alors, c'est qui lui? Sorrento? Je crois. Je sais même pas comment ça se prononce. Sorrento, ok. Mais ça, c'est pas au début de la série, ça. Parce que j'ai aucun souvenir de ces personnages-là. Un général de Poséidon. Ah ouais, ok. Elle est pas mal, celle-là. Je l'avais, celle-là, ou pas? Non, je l'ai pas. Ah, c'est cool, je vais avoir plein de SSR que j'avais pas. Hop, je mets ça là. Libra à la balance. Et Seiya. Le héros le moins apprécié finalement de l'histoire des animés japonais. Le stream avec JDG est déjà calé. Alors non, parce qu'en fait JDG est disponible que le jeudi. Et en fait je n'ai pas eu de jeudi de disponible depuis la fin du The Event. Et là la semaine qui arrive, ça va être ma première semaine où je n'ai rien d'autre de spécial à faire que juste streamer basiquement. Donc faut que je lui propose, faut que je trouve un jeu. N'hésitez pas d'ailleurs si vous avez des propositions. Faut que je trouve un jeu sympa à faire en duo, mais du coup ouais, possible stream cette semaine avec JDej. Et ça sera très cool. Enfin si on arrive à se caler, si lui est dispo aussi. Ouais, les SSR. Très belle. Andromeda, aka le Bondage, bien sûr. L'armure de Shun. Et Seiya en SR. La seule caractéristique, c'est qu'il se relève toujours. Ah oui. Mais je me souviens qu'à l'époque, même à l'époque, ça a jamais été un personnage qui a été très apprécié, quoi. Salut Mila, comment ça? Portal 2 coop. Ouais, le problème, c'est que c'est un peu long, Portal 2. Mais je sais pas du tout s'il l'a fait ou pas, ouais. Ouais, je pense à un truc peut-être un peu plus simple, quoi. Oh, what the fuck. Attends, vas-y, faire. Mais c'est marrant parce que les SSR... Ah ouais, non. Ah si, je l'avais celle-là. Si, je l'ai eu la dernière fois. Comment apprécier Seiya quand Shiryu existe? Ouais, moi, dans l'équipe principale, on va dire, mon préféré, c'était Shiryu, effectivement. Je sais que mon épouse aime beaucoup Shun. Moi, j'avais pas mal de potes qui étaient fans de Seiya, mais je sais pas, ouais, c'était pas... SSR. Et le revoilà. Attends, non, ça c'est... Je suis en train de faire des tas sur le côté. Hein. Star Citizen. Mais non, pas Star Citizen, putain de merde. Non, pas de gestion, pas de stratégie, pas de MMO. Donc, par définition, pas de Satisfactory, ni de... ni ça. Non, je sais pas, des petits jeux à la con, quoi. Je comptais lui proposer EVE-O. Je sais pas s'il l'a testé. EVE-O, je me souviens, quand le jeu venait de sortir, j'étais chez MV, et on avait fait un stream découverte... dans un état plus qu'approximatif. Ah bah tiens, ça c'est une carte UR. Alors a priori, ça sera la seule qu'on aura du display, hein, du coup. Aphrodite en ultra rare avec une rose derrière, là. La série 3 a sorti cette semaine, ouais, tout à fait. Je l'ai pas préco, mais je vais voir si j'arrive à en trouver à pas trop cher. Belle carte, ça. Hein. Belle carte, Shinji. Hein. Perso préféré. Ah ouais?
Ah, Way Out, je l'ai jamais fait. Ouais, c'est vrai, pourquoi pas. Devrait plaire à ta nana avec la rose. Ah putain, cette phrase. Ah, ça devrait. L'autre là. Ah, ça devrait plaire à ta nana. Hein. Allez, Raymond, resserre-moi un muscadet, s'il te plaît. Ah, puis je vais prendre un banco pour la route. Ah, ça devrait plaire à ta nana. Hein. Avec la rose là. C'est mignon, hein. Excuse-moi, ça me fait rire. Alors, SR. Mais le pire, c'est que oui, ça devrait lui plaire. Le pire, c'est que t'as raison, en fait. Un millionnaire pour avoir les trois télés. Les trois télés, là. Ah putain, j'ai plus de sleeves. Holy shit. J'ai fini ma boîte à sleeves. Attendez, faut que j'aille chercher d'autres sleeves. À moins que j'en ai dans le coin. Eh bien non, j'en en ai pas. Attendez, je vais chercher des sleeves, je reviens. Je vous montre au passage ceux que j'utilise, c'est ceux-là. Mon épouse est en train de regarder le stream sur son téléphone portable et elle me dit que esthétiquement, effectivement, elle trouve que Aphrodite très bien, mais conceptuellement parlant, apparemment, c'est un gros FDP et on parle pas de frais de port. Et apparemment, ses combats contre Sean sont terribles et tout. Donc voilà. Donc elle aime bien niveau esthétique, mais ça s'arrête là. Voilà. Effectivement, clairement, true. Ah, ok, ok. Bon, bah voilà. Voilà. Hélas, hélas. Et puis elle était remontée là. Je peux vous dire qu'elle m'a dit ça. Ouh, vache. J'approuve, elle a pas de race. Ah ouais, ok, ok. Elle a raison, c'est un fils d'up. Ok, ça marche. Allez, ouf. Le retour des slips. Bon, en tout cas, là, on a eu l'ultra rare. On va voir si on peut avoir un autre drop peut-être sympathique. J'ai trigger, madame, dame, dame, exactement. Non, pas trigger, mais c'est vrai que... Après, elle m'a dit, oui, le perso est très stylé quand même. Deuxième plus gros fils d'up après Masque de Mort. Masque de Mort, c'est qui? Alors... Oh putain, c'est qui ça? Cinder. Avec son casque de dragon, là. Putain, ça me parle, ça, en plus, ce perso. Ah, le masque... Oui, le grand pop, en fait. Ah oui, d'accord, d'accord, ok, oui. Cinder, le frère de Bud. Arc Asgard. Mais je crois que j'ai pas vu, ça. Ça, je crois que j'ai pas vu. Le lion, l'armure, elles sont belles, hein, les cartes d'armure comme ça. Shiryu, une fois de plus. Normalement, les Shiryu, je les ai toutes. Bon, en fait, il me manque, dans les cartes SR, il me manque une pose de Ikki, je crois, c'est tout. Toutes les autres, je les ai. Grand pop, c'est Chion, puis Saga. Oh, je suis complètement, complètement largué. Oh, oui, les cartes sont très belles. Hein. Franchement, pour des displays à 40 balles, c'est vraiment, vraiment chouette, quoi. La petite photo de famille. Ça. Le crabe, le cancer. Arc Sanctuaire, Asgard qui n'existe que dans l'animé. Poséidon et Hadès. Poséidon et Hadès, j'ai pas vu, ça c'est sûr. Moi je pense que j'ai dû m'arrêter à Asgard. Parce que j'ai quand même vu pas mal de... Pas mal... Après, ça recon... En fait, un arc
de Saint Seiya, ça représente combien d'épisodes à peu près? Que je vois à peu près si j'en ai vraiment vu. Toulilou. 20-30 épisodes. Ouais, donc c'est ça, oui, parce que moi j'avais les deux premiers box en VHS que j'avais acheté dès qu'ils avaient été dispo dans les années 90. Donc ouais, moi j'ai dû regarder les deux premiers arcs en fait. Hades, je suis sûre à 100% que j'ai pas vu. Poséidon, j'ai des doutes. Faudrait que je revoie la tête des personnages. Bud. Mais tu vois, Bud, ça me dit rien du tout, ça. Je sais pas. Ça. Toulilou. Aquarius. La chibi. La QR. Alors attends, je l'avais pas, hein, l'Aquarius. Attends, je vérifie quand même. Aquarius, ouais, j'avais Taureau, Capricorne. Tout à l'heure, on a eu Cancer. Aquarius, magnifique. Et Sean, à nouveau. Bon, c'est bien, j'arrive quand même à avoir quelques cartes là que j'avais pas, c'est cool. Bon, les UR, de toute façon, si on a 24 avec une seule par display, c'est... Comment te dire que t'es pas dans la merde si tu veux tout choper? Ah oui, mais alors ça, c'est ceux... Putain, elle m'a expliqué ça l'autre jour, et je m'en souviens, en fait. Ça, je pense que je les ai vus à l'époque. C'est ceux qui ont des armures façon Ultraman, là. Façon... Non, façon... Gavan, comment il s'appelle en français? Spilvan, je trouve. Chevalier d'Acier, c'est... Ah ouais, mais du coup, ils ont un look un peu plus futuriste, et ça fait vachement penser aux personnages dans Spilvan. C'était pour faire des jouets, ça n'existe pas dans le manga, ouais. Mais de toute façon, moi, j'ai jamais lu le manga. Moi, pour moi, Saint Seiya, c'est vraiment que en animé. Hein. Très belle carte, ça. Hein. Très, très belle carte. Petite SSR. Ah bah tiens, on l'a déjà vu tout à l'heure, celle-ci. Cancer. Ah, alors attends, est-ce que c'est pas la Ikki qui me manque? Est-ce que ça serait pas la Ikki qui me manque? Dans quel cas, je la mets direct dans l'album? Ah, ouais, non, je l'ai déjà, merde. Fuck. Fuckity fuck. Série abrégée sur YouTube, version parodique. Ouais, faudrait déjà que je revoie la série classique. Attendez, je vais juste m'attacher les cheveux. Ah, c'est mieux. Combien de séries de ces cartes? Bah là, la troisième série est sortie cette semaine. Donc les displays sont pas très chers en soi. Mais, ah bah voilà, l'autre chevalier d'acier. Les displays sont pas très chers en soi, mais par contre, il y a beaucoup d'indices de rareté qui sont... Enfin, qui drop très très peu. Après, ça, c'était la première extension, donc le tone drop était vraiment pas ouf. Ça s'est quand même amélioré après. Le dragon et Yoga. Yoga Fire. Allez, on a presque fini ce premier display. Mais attends, du coup, attends, 8 et 8, 16. 17, 18, 19. Ah oui, donc là, il y a 3 tirages au sort à faire quand même. Ok, ok, ok. Je le vis bien, je le vis bien. Belle SSR. Gemini. Et Ikki. Ah, par pitié. Par pitié. Oh, c'est celle-là. Oui, c'est la Ikki qui me manque. C'est bon. Ok, bon, bah, je possède toutes les cartes SR. Trop bien. Allez, hop. Ça, c'est fait, on n'en parle plus. Les SR, je les ai toutes. Nice. Et les R, hop. Celle-là, on l'a eu tout à l'heure, la SSR, Aquarius, très belle. Et on finit sur la SR de Seiya. Alors, donc ce que je vais faire juste avant d'ouvrir le deuxième display, tiens, je vous laisse ça à l'écran si vous voulez. Tellement satisfaisant. Et comment dire, ouais, juste avant d'ouvrir le deuxième display, je vais quand même juste checker rapidement mes cartes R. Alors, c'est laquelle qui me manque? C'est la 21 et 27. 21, elle est là, putain, trop bien. Et la 27 qui est sur le point de tomber. C'est imminent. Elle est là, oui! Trop bien.
21, 27. Donc les cartes R, on disait il y en a 35, c'est ça ? Carte R, il y en a 35, je les ai. Les SR, je les ai toutes. SSR, il y en a 19. SSR, il y en a 19. Et il me manque la 13. 13, 17, 18. Ok. Bah la 17 c'est celle-là. Ah, la 18 c'est celle-là. Donc il me manque que la, ah, la 13 qui c'est, bah voilà, bah c'est bon, je les ai toutes. Oh, ouais. Attendez, je les mets en album. Putain, trop bien. ...13, 17 et 18. Donc les SR, je les ai toutes. Attends, c'est ça, hein. Laissez-moi vérifier. Non, ça c'était les SSR, pardon. Je les ai toutes. AR, 17. Les AR, c'est les armures, c'est ça ? Ok. Ah oui, et les chibis, c'est celle-là. D'accord. Donc, les. Alors, il me manque là. Attends, AR. Excusez-moi, je prends le temps de checker. 17, c'est celle-là. En fait, il manque la 3. La 3 et la 6. Tu fais quoi de tes doubles ? Eh bien, je vous les fais toutes gagner aujourd'hui. 3 et 6. Ah, tiens, d'ailleurs, est-ce que j'aurais pas oublié d'enlever le follow only ? Non, c'est bon. 3 et 6. Exceptionnellement, ouais, je vous fais tout gagner aujourd'hui. Putain, j'hallucine. Ah si, la 3, c'est là. Ok. Et la 6... La 6, je l'ai toujours pas. Hein. Oh, je suis deg. Ok, je l'ai toujours pas. Je vais quand même mettre cette carte numéro 3. Alright. Alors, ces deux-là, je les embarque au poste. Je vais changer de sleeve pour celui-là. Ouais, ouais, on va faire... Dès que j'aurai ouvert le deuxième display Saint Seiya, je vais faire du coup combien de giveaways ? 1, 2, 3. Je vais faire du coup, comme on est à 197, je vais faire 3 giveaways pour littéralement tout vous faire gagner. Yes. Donc ça, c'est la 11 et la 4. Ouais, donc c'est ça, il y a deux AR et une UR. Oh, putain, c'est clair que si tu veux, si tu veux tout avoir, t'es pas rendu. Aphrodite, on va la mettre là. Et du coup, attends, cette SSR là, je l'avais. Bah du coup, non. Ah, je me suis trompée, je me suis trompée. Ça, c'est une SR. Voilà, du coup, c'est bon. Ah oui, je trouvais ça bizarre aussi. Donc là, il y a juste l'armure numéro 6 qui me manque dans les cartes classiques, on va dire. Ok, et eh bah écoutez, bah, on continue. Hein. C'est parti. Cartes spéciales sont plus dures à tomber. Ouais, mais surtout que ça, encore une fois, c'est la première extension. Ça a été amélioré à partir de la deuxième. Et la troisième aussi. Donc le tirage au sort. Là, on ouvre voilà, le deuxième display One Piece. Deuxième display Saint Seiya, donc première extension. Dès lors qu'on aura fini cette ouverture... Merde, il y avait une ouverture spéciale. Merde, putain, je me fais humilier une fois de plus. Dès lors qu'on aura fini ça, je ferai via Moobot, du coup, 3 tirages au sort pour vous faire gagner la totalité des cartes que j'ai en double. Et bah pour le coup, il y en a plein. Hein, voyez, rien que les cartes SSR à gagner, vous voyez, elles y sont quasiment toutes en vrai. Sachant que là, on va ouvrir encore un deuxième display. Donc ce n'est pas un concours réservé aux subs, hein, je le rappelle. C'est, la seule condition, c'est de follow la chaîne
Et bah voilà, c'est la fin de ma phrase. Hein. C'est déjà pas mal, hein. Brûle ton cosmos. Ah mais moi je brûle mon cosmos, y a pas de souci. Hein. Je brûle totalement mon cosmos. Ah. Ouverture facile, putain. Combien il y a de boosters d'ailleurs, j'ai même pas regardé. Je crois qu'il y en a 20, il me semble. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Non, il y en a 18. 18 boosters de 5 cartes. Merci beaucoup Jasquier. Jasquier qui sub T1 avec Achille 2, 3, 4. Merci beaucoup également. Ah ouais, du coup, là, il y a 193 subs. Bah, si on atteint les 300 subs, ça veut dire que je ferai gagner 4 personnes au lieu de 3. Littéralement. J'ai peur que cet opening brûle ma CB. La tentation. Alors Relic, ils font pas encore ce, ils font pas, enfin ils distribuent pas encore de cailloux. Moi je leur ai dit vous devriez parce que vous, y aurait un marché à prendre. Et ils m'ont dit ouais mais c'est compliqué à importer et tout. Je fais ok ok. Bon bah c'est pas grave, je vais acheter chez la concurrence. Allez let's go. Deuxième et dernier display aujourd'hui. Hein. J'ai plus rien à ouvrir après. Et bah c'est pas plus mal, hein, je vais vous dire. Allez, on commence par une belle SSR. Libra, donc non, moi c'est la 6 qu'il me faut. Je sais même pas c'est quelle armure qui me manque en fait. Recherche du site pour les acheter. Bah moi je vous dis, j'en avais acheté sur... là, ce que je vous montre là, c'est des trucs que j'ai acheté sur Parkage, mais c'était cet été, tu vois. Donc là, actuellement, de l'édition 1, ils en ont plus. Vous pouvez en trouver sur eBay ou sinon Grand Anime Card. Mais même ça, je suis pas sûre. Ouais, les Naruto sont jolis. On en avait ouvert un peu. Après, moi, je connais pas du tout Naruto. J'ai jamais lu ou vu. Donc, c'est vrai que ça me touche moins. Très, très belle SSR. Carte du taureau. La deuxième. Et la SR. Relique livre en Belgique. Ouais, je pense. Hein. Faut leur demander, sinon. Ouais, si tu payes les frais de port adéquats, je pense que oui, quand même. Hop, SSR. Oh, et ben c'est la carte ultra rare. Carte ultra rare de qui? Alors de Doko. Ben je ne connais pas ce personnage. Hein, voilà, hein, fin de l'histoire. Troisième carte ultra rare de ma collection. Et normalement, je l'avais pas. Hein. Ouais, c'est bon. Bon, au moins, j'ai pas eu de double là-dessus. C'est plutôt cool. Doko, la balance. C'est le papy avec le chapeau. Ok. C'est le maître de Shiryu. Ah ouais? C'est le vieux, mais quand il est jeune, quoi, du coup. Carte UR, en tout cas. Trop cool. Et on retrouve Ikki, juste en dessous. Ikki en SR. Quand il est vénère, il devient jeune, c'est ça, le truc? Allez, trop cool. Je sais même pas combien ça coûte à l'unité, une carte UR. Genre là, tu vois, si je veux compléter mon set, déjà, où tu trouves ça? Pour ne pas tomber sur des contrefaçons, c'est déjà compliqué. Le vieux qui redevient jeune. Voilà, maintenant on attend des... on attend éventuellement voilà, une carte d'armure numéro 6, du coup, c'est ça. Et les cartes des vitraux également, hein, qu'on attend aussi. Il a 240 ans. Ouais. That's nice. Black Andromeda. Virgo, la voici! La dernière armure qui me manquait. C'est bon. Ça y est, j'ai tout. That's nice. Bon, bah écoutez, j'ai toutes les... je possède là toutes les cartes de tous les indices de rareté jusqu'à QR, donc les cartes Chibi Vitro. Et puis bien sûr, après, il manque les UR, mais bon, ça, il y en a tellement peu que c'est relou. Allez, trop cool! Ça y est, j'ai complété. Bon, du coup, il m'aura fallu 3 displays pour compléter toutes les cartes classiques. Si ça peut vous donner une idée. Ah, 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 ah! Ariès! Et je l'avais pas. Je ne l'avais pas. Trop cool! Ah, elle est trop belle, franchement.
Mais tu vois, les cartes vitraux, ils les ont améliorées déjà dans la série 2. J'aimerais vraiment voir les... Ouais, je pense quand même que je vais commander quelques displays de la série 3, là. Surtout qu'elle vient de sortir, donc il n'y a plus de préco. Je pense que je vais quand même commander quelques displays, histoire de... De toute façon, pour 100€, t'as 3 displays quasiment, selon où tu les achètes. Je pense que je vais quand même les prendre, quoi. Ah, les chibis, elles rentrent trop bien, quoi. C'est la numéro 1, ça, en plus. Oh, bah du coup, j'ai 5 chibis. Il y en a combien des... C'est les QR, c'est ça? QR, il y en a... Il y en a 12. Ok, et là, j'en ai 5. Ok. Ouais, c'est ça, c'est 2 par display, en fait. Alors, Babel. Le vieux. Carte SSR. Oh! Ah bah! Ok, ah bah non. Oui, non, je les avais déjà de toute façon. L'armure. Et Shiryu. Attendez, je vais finir mon café avant qu'il refroidisse. Let's go. Alors, Boulaku Phoenix, les belles cartes SSR, le signe, l'armure du signe, et en dessous, on a le retour de Shun. Ensuite, Mou, et c'est qui? C'est Astérion? Ah oui, le youtubeur, je connais, ouais. La petite SSR, ça c'était la fameuse qui me manquait tout à l'heure. L'armure du Capricorne. Très jolie, avec Iki. Du coup, là, ça va être 4. Attends. 6, 7, 8, 9, 3. 3 tirages et possiblement 4 si on atteint les 200 subs. Ça serait beau! Ça serait beau, ça serait beau. Tac. Misty. Oh, celle-ci, vraiment, je l'aime trop. Hein. Elle est vraiment trop, trop craque. Hein. Trop, trop craquée. Magnifique. Le dragon de Shiryu. Et Seiya. Je vais craquer pour 2 displays. Ah, nice. Quelle extension, du coup Ah, celle-là, ouais, avec le grand pop, là. La série 1. Ah ouais, t'as réussi à en trouver? Sur quel site? Parce que la série 1, elle commence à être rare, un peu. Hein. Enfin, pas rarissime, mais il y a de moins en moins de sites qui la proposent en vente, quoi. Après, sur eBay, peut-être, ouais. Pegasus Fantasy et Iki. Ah, sur Parkage? Ah, ils ont un retour de stock sur Parkage? Ok, parce que moi j'en avais acheté cet été, je vous dis, bah, c'est ce que j'ouvre en ce moment. Et après, il n'y en avait plus pendant un moment. Ils ont peut-être eu un retour de stock, ouais. Toc. Allez, normalement, il me reste une dernière chibi. Ou peut-être, peut-être si on a beaucoup de chance, peut-être un truc. Parce qu'en fait, les chibi... Fais voir ce qu'ils mettent. Les chibi, c'est les QR. Ensuite, il y a les UR... Ah oui, après, il y a les BP. Les BP, je sais pas à quoi elles ressemblent. La SE, qui est en unité simple, là, c'est la carte d'Athéna en vitrail. Ah ouais, carte BP. J'aimerais bien voir à quoi ça ressemble. Au moins pour voir le... Au moins pour voir le framing et les effets de brillance. Athéna au Riot. Ah, c'est vrai que là, si on peut avoir une petite Athéna, là. Attends, je me trompe. Andromeda, le retour du Shibali. Il reste quoi? Il reste 5 boosters avant le tirage au sort. La carte BP, c'est pour avoir de l'essence. Ouais, sûrement. Hein. Sûrement, je pense. T'as raison, je pense. Le cancer, juste en dessous. Seiya. Attends, la SR, elle est là. J'essaie de tout trier devant moi, là. Pouvoir après faire des lots équivalents pour les gagnants. Les BP sont très belles, c'est les dieux. Ah ouais, ok.
Link, t'as pas proposé de dévoiler du Wankul TCG? Non, non, non. Je pense pas. En fait, Link, vous savez, je pense, même si là on était à côté aux The Event, je pense qu'il me connaît pas du tout et je pense qu'il doit être même pas être au courant que je fais des ouvertures de cartes de collection. Je veux dire, là, littéralement, c'était la première fois qu'on se parlait. Et c'est vrai que je lui ai pas spécialement dit que je... Ah, mais si, il m'a forcément vu quand j'étais avec Shishio. Et encore, je suis même pas sûre qu'il était à côté de nous à ce moment-là. Alors, toc. Très belle carte, ça aussi. J'ai la musique en tête, quoi. La SSR, le poisson. Shun à nouveau. Allez, il reste que deux boosters là. Là, il reste forcément minimum. Le pire qu'on puisse avoir, ça serait bah, donc une QR, donc les chibi vitraux. Et potentiellement une BP, voire la SE à 3 000 $, quoi. Tu vas faire série 2 et 3. Série 2, j'en ai déjà ouvert en stream. Je compte pas spécialement en racheter. Mais série 3, ouais, je vous dis, là, elle vient de sortir cette semaine. En vrai, vu le prix des displays, ça serait cool que je prenne peut-être 2-3 displays, quoi, histoire de. Peut-être faire ça. En fait, j'évite de trop dépenser de sous avant mon voyage le mois prochain, là. Tadam! Et c'est Léo! Voilà, la dernière chibi vitrail que je n'ai pas. Pas du coup, je ne l'ai pas. Bon bah c'est cool. C'est cool parce que là du coup, il y en a deux par display. Donc là j'en ai six différentes. J'ai pas eu de doublons sur les cartes rares, donc ça c'est vraiment une bonne chose. Trop cool. Ah, joli hein. Petit vernis sélectif, plus l'effet cristal et tout. Très 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 sympa. Allez, ça part dans ma collecte. Carte numéro 5. Et enfin, la Shiryu. Allez, il nous reste un ultime booster. Bon, a priori, normalement, les drops, c'est fini. Gazus Fantasy. Oui, Gracius Fantasy. Merci beaucoup, Vladius87, pour le 98e mois de sub. Vladius, qui est donc le 194e sub. Incroyable. Donc là, il y a déjà 3 tirages au sort garantis. Si on atteint les 200, ça fera un quatrième. Et on finit avec l'armure Aquarius. Et ce bon vieux Seiya! Voilà! Putain! Ça fait 5 heures qu'on ouvre des cartes non-stop. Trop cool en vrai. Trop trop cool. Putain, mais 98 mois de sub, c'est vrai que... À l'autre jour, on a eu un 111 mois de sub. Pas mal aussi, hein. Merci Takiel, ouais, incroyable, Takiel 195. Donc là du coup, vous voyez, donc tout ça, alors attends, SR, on va les mettre là, voilà. Tout ça, c'est les cartes R classiques. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment les cartes de base, et elles sont déjà irisées, donc c'est plutôt sympa. Ensuite, tout ça, c'est des cartes SR. Hop. Les SSR, celles qui sont bien brillantes, qui sont là. Donc tout ce que je vous montre là, je vous fais tout gagner. Hein. Parce que moi, j'ai déjà complété la collection, de toute façon. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire 3... peut-être 4, on va voir. Hop. Je veux tout, MDR. Je croyais que tu collectionnais plus, toi. Tac. Allez-y. 4 tas. Ce que je vais faire, du coup... La personne qui a 111 mois de sub fait lui une chante d'amis. Ah, si seulement j'avais la place. Je collectionne plus, mais Saint Seiya, c'est le Kokoro. Ah, ouais. Elles sont jolies, ouais. Elles sont très, très jolies. Donc... 195, ok, donc on reste là-dessus. Et ben on va faire 3 tas du coup. Hop. Bon, allez, vas-y, on va en faire 4. Allez, vas-y, vas-y. Donc, je sais pas, on va faire genre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4. Ah merde, celle-là, elle est en double. 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Putain, j'ai même pas fait exprès. Oh, je suis trop la goutte.
Je viens de diviser équitablement un paquet à vue de nez en 7 fois 4 cartes. Qu'est-ce que vous dites de ça? Alors que Canard offre 5 subs avec Twitch, qui a offert 3 subs en plus dans le chat. Ah mais attends, il y a Valden également. Mais what the fuck. Alors attendez, on a Valden qui a offert 5 subs. Ah non, parce que ça va peut-être renverser le truc. Valden a offert 5 subs, Twitch en a offert 1 en plus, et Canard a offert 5 subs en plus, et là Twitch en a offert 3 de plus. 4 x 7, oui, 4 x 7, c'est bon, vous avez compris. Mais du coup, là on est à 209, 70, 80, 90, 100. Mais du coup, faut que je fasse un cinquième. Il y a une double phénix sur le dernier. Ah ouais? Sur celui-là? Je crois pas, non? Ah non, sur celui-là? Non, mais ça veut dire que je vais en faire un cinquième. Ah oui, pardon. Eh ben, je vais faire ça et ça. Voilà, c'est bon. Bah, merci beaucoup, Canard, pour ça. Merci beaucoup. Et Jinxu qui vient de sub. Jinxu qui a gagné un truc tout à l'heure. Mais what the fuck? Ah non mais attends, là par contre j'aurais plus rien à vous faire gagner après, hein. Si ça continue, en fait à chaque fois je vais diviser en fait. DJ Fantôme 151 qui vient d'offrir 10 subs à la commu avec Twitch qui offre 4 subs en plus, merci énormément, hein. September de ouf, ce qu'on appelle un SDO, un September de ouf. Restons sur 4 lots, c'est bien. Ah bah non, là, il faut que j'en fasse... faut que j'en fasse au moins un cinquième, je pense. Donc, bah, on va faire ça, ça. Voilà, hein. 1, 2, 3, 4. Oh, ça va pas être équitable. Non, vous savez quoi, on va tout remettre. Voilà, on va faire ça. Très bien. Alors, on va en faire 5. De tirer les cartes. Parfait. Hop, et là il y en a 3, on va les mettre là. Pourquoi? Parce que c'est moi qui décide. 3 displays commentés. Oh la vache. Après ouais, les prix sont plutôt cool, hein, honnêtement. Allez, voilà. Donc ensuite, ça, c'est les cartes SR, celles qui brillent dans tous les sens. 2, 3, 4, 5, 6. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez, bon, on va faire ça. Pof, et là, on va mettre une de plus ici, parce que pourquoi pas. Voilà. Voilà. Ensuite, bon là il y en a sûrement en double, regardez, je vais faire un petit shuffle des familles, pof, 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 voilà, 2, 4, 6, mais celle-là elle est en double, oh, faites chier, bon au pire vous en avez en double et vous les filez à votre petit truc, 1, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 8, 2, 4, 6, bon, et bah là, voilà, on va faire ça, voilà, et on va faire ça, et ça, hop, et là, je pensais deux tas, et je les mets comme ça, hop, et il est où le pigeon? Ah, il est là, ok, donc maintenant, on est sur des tas qui pèsent combien? Parce qu'il faut que ça fasse moins de 90 grammes, c'est ça le truc, on est sur du 42 grammes, donc là, hop, je vous rajoute, en plus de ça, des cartes rares classiques. Comment je participe? Eh ben, il faut follow la chaîne Twitch. Ce qui a l'air d'être ton cas parce que je vois que tu es même sub. Donc c'est bon. Et en fait, je vais mettre un... C'est un concours, c'est un giveaway via Moobot. Donc je vais mettre un... Il y aura, comment dire, un hashtag à mettre dans le chat. Et puis voilà, quoi. Hop. Donc là, je vais vous mettre genre ça. Par exemple, si je mets ça, ça fait combien là en grammes? 75. Ah bon, on peut en mettre plus en fait. Ah oui mais non, parce qu'en fait il faut que j'en mette un peu partout.
On va faire ça. 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 Et ça, je crois qu'il y en a un peu plus là. Oh, il y en a un peu plus, je vous le mets quand même. 84, ok, bah nickel. Au niveau grammage, on est bon. Alors, pour bien discerner l'état, je vais mettre celle qui est derrière dessus. Voilà. Et voilà. Ah, trop cool en vrai. Franchement, s'il y a des vieux fans de Saint Seiya dans le chat qui gagnent ça, ça me fera trop plaisir. Trop plaisir pour vous, quoi. Donc voilà. Je vais lancer le giveaway Moobot. Donc il y aura juste un hashtag à taper dans le chat. Je vais mettre le stream en follow une heure. Voilà qui est fait. Et donc je tirerai, donc j'appuierai 5 fois sur le bouton tirage, draw, et le premier gagnera le premier lot, le deuxième celui-ci, troisième, quatrième, cinquième. Si vous êtes tiré au sort, donc vous rentrerez en contact avec ma mono qui s'appelle Yon le Papillon. Et voilà, linkez bien votre pseudo Discord avec Twitch. Si jamais vous n'avez pas de Discord, bah passez par Twitch directement. Et les coordonnées, et puis ça sera envoyé dans la semaine, hein, tout simplement. Voilà, voilà. Hein. Giveaway Pokémon, c'est déjà fait, ouais. C'est déjà fait, c'est déjà fait. Allez. Create a giveaway, ça sera le dernier de la journée. On va mettre hashtag Pegasus Fantasy. Normalement, vous avez la ref, bien sûr. Voilà, je vous le retaperai dans le chat. Anyone can participate, oui. Pof, pof, pof. Alright. Eh bien, écoutez, mesdames et messieurs, le concours est d'ores et déjà créé et vous n'avez qu'à taper hashtag Pegasus Fantasy en caps lock dans le chat pour participer. Vous pouvez éventuellement le taper 2 fois si vous voulez vraiment être sûr que ça soit pris en compte. Au-delà, ça ne sert à rien, ne spammez pas 12 fois, vous vous ferez plus ban qu'autre chose. Donc, allez-y. Let's go! Allez, déjà presque une centaine de participants. Trop trop cool. Ça me fait trop plaisir de faire ces concours, de vous faire gagner des trucs. Et voilà, et c'est la fin de ma phrase. Hein. Je suis trop contente de ça en fait. C'est trop bien quoi. Trop cool, trop cool. Allez-y, allez-y! N'hésitez pas à participer. 5 personnes seront tirées au sort. Voilà, je cliquerai 5 fois d'affilée sur le bouton qui est juste là. Merci encore. Alors non, bon, là pour le coup, merci à moi et à vous les subs. Parce que ça, Saint Seiya, c'est des achats perso que j'ai fait. Mais les giveaways Pokémon et One Piece que j'ai fait aujourd'hui, ben, si je les ai fait, c'est grâce à la boutique Relique avec qui je suis partenaire. Donc vraiment, merci à eux. N'hésitez pas encore une fois à visiter le site web qui est épinglé dans le chat. Parce que c'est très très cool qu'on puisse faire ça ensemble. Je suis en train de me dire, est-ce qu'en fait j'ai pas mis de sleeve? J'ai pas mis de sleeve. Ce qu'il faudrait, ça serait que je prenne à la limite des top loaders. Non, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre... Ouais, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ça. Je vais mettre en sleeve la carte qui est sur le dessus. Comme ça, ça sera protégé. Pegasus Fantasy. Musique de ouf. Hein. Musique de Saint Seiya, en vrai, musique de ouf. Hein. Hop, je suis en train de ficeler les cartes. Hop. Allez-y, je finis de mettre des élastiques sur les 5 lots. Et dès que j'aurai fini, on fera le tirage, enfin les tirages plutôt. Hop. Ah, il est décédé le compositeur principal? Je savais même pas, tiens, tu vois. Bon, évidemment, si vous avez gagné un truc à... Si vous avez gagné déjà à One Piece ou Pokémon, vous pouvez quand même participer. Après, ne participez que si vous êtes vraiment intéressé par Saint Seiya.
ou si vous avez peut-être des connaissances qui sont intéressées. Hein, voilà. Je préfère faire gagner ça à des gens qui sont fans, ou en tout cas qui ont un certain intérêt ou une nostalgie pour la série. C'est quand même plus cool. Ah oui, en 2007, ah oui, c'est pas récent. Hop, et le cinquième. Où le pigeon, putain, vous avez vraiment fait un clip avec ça. Toc. Et voilà. Bon, bah écoutez, regardez. Cette histoire me paraît ficelée. Donc voilà, j'ai mis sous sleeve la carte qui était sur le dessus. Et j'en ai mis un derrière aussi, histoire de protéger un peu. C'est des élastiques qui ne servent pas trop. Hein. Ne vous inquiétez pas, ça abîmera pas les cartes. Et de toute façon, ça sera envoyé. Elles sont où mes enveloppes? Ah oui, elles sont là. Putain, en plus, il m'en restait combien là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oui, il m'en restait que 7. Bon, bah, c'est parfait. 1, 2, 3, 4, 5. Je ferai les enveloppes direct. Oui, donc je disais, ça sera mis dans des enveloppes avec du papier bulle dedans, hein, bien sûr. Je suis en train de voir un truc. Est-ce que... Ah non, ça passe pas. Right. Ok! Bon, on dit qu'on est bon. 208 entrées. Ouais, c'est plutôt cool. Hein. Forcément, il y a moins de monde que pour Pokémon, c'est normal. Allez, c'est parti. 3, 2, 1. Les 5 gagnants du tirage au sort carte Saint Seiya sont... Vladius 87. Ah, ça me fait trop plaisir que tu gagnes. Vladius 87 qui me suit depuis si longtemps. Ça me fait trop plaisir que tu aies gagné un truc. Trop, trop cool, Vladius 87. Deuxième participant qui a gagné, donc c'est Uranos 79. GG à toi. Troisième gagnant, c'est Wolfiq. GG à toi également. Quatrième gagnant, c'est... c'est... Ah putain, il y a eu... il y a eu un pseudo, c'était Rectal Touch. Et en fait, il y a eu un reroll de Moubot. Très drôle, ok, ok, très bien. Donc bravo à toi, Seijin, également, merci pour le follow. Et enfin, le dernier gagnant, ou la dernière gagnante, attention, heureusement que c'est pareil, Rectal Touch, qui a gagné. Ah putain. Ta-da-da-da-da. Cinquième gagnant, c'est Rakfiel. Allez, GG à vous 5. Est-ce que vous êtes dans le chat? Seijin, je te vois. Wolfiq, je te vois. Vladius87, je te vois. Tac, tac, tac. Il manque qui? Ralph Kiel. Ah si, Ralph Kiel, je t'ai vu, tu es là. C'est bon. Eh ben, tout le monde y est, hein, Vladius. Uranos? Uranos, tu es là. C'est bon, je te vois aussi. Eh ben, c'est tout bon. Allez, hop. J'annonce donc les 5 gagnants dans le chat. Il y a le petit message qui apparaît, parfait. Allez, GG à vous 5. Donc je vous laisse rentrer en contact avec, donc Yon le Papillon qui va prendre vos coordonnées. Et voilà, et tous ces colis seront envoyés courant de semaine prochaine. Où est mon porte-mine crayon gris, crayon à bois, slash à papier? Au secours. Si proche du but. Si proche du but, j'ai perdu mon crayon. Mon porte-mine, au secours. Putain, mon porte-mine, il est où? Con de toi, j'ai perdu mon porte-mine. Ah non, il est là, c'est bon. J'ai failli m'énerver. J'étais à deux doigts de m'énerver. Alors, donc, Vladius 87. Nice. Ensuite, on a Uranos 79. Uranos, c'est ça. 79. Ensuite, Wolfie Q. Wolfie Q tout court. Seijin. Avec un 1NS. Quand vous aurez reçu vos colis, n'hésitez pas à faire un petit post sur Discord, histoire qu'on sache au moins que vous les avez reçus. Rakfiel. Et voilà. Et voilà, et voilà, et voilà.
Est-ce que Yon le papillon, du coup, est-ce que c'est good pour toi? Ça fait beaucoup d'infos, ouais, désolé, Yon. Yon qui assure. Avec la prochaine fois, faudra répartir ça sur plusieurs modos. Une minute de plus STP. Ouais, pas de soucis. Pas de soucis. Je suis en train de faire les colis. Alors, Rakfiel, donc c'était le cinquième. Hop. C'est Andromeda aka Shibari. Ensuite, Seijin, c'est Sagittarius, aka mon signe astrologique. Car je suis du mois de décembre. Ensuite, Wolfie Q, c'est le Krabos, c'est le Cancer. Hop. Uranus 79, c'est le Poisson. Toc. Et enfin, Vladeus 87, le Phénix. Pof. Et ben voilà. Hop. Ça fait combien de trucs en tout? Putain. Attends. Je compte combien il y en a. 1, 2, 3, 4, 5 colis à envoyer. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 colis à envoyer. Sachant qu'il y a deux jours, on en a envoyé 28. 22 colis à envoyer, il y a combien de subs? 224. Bon bah nickel! Nickel! La poste en grève? Bah pas tant que ça, hein. Enfin je veux dire, je paye l'affranchissement comme tout le monde. Hein. Eh ben, what an ouverture si je puis dire. Hein. Je vais pouvoir couper cette lumière qui m'expose un peu les yeux, on va pas se mentir. Attends, non, je vais juste mettre moins fort. Ah, bah voilà. Merci Brioc. Merci beaucoup pour le Prime. C'est... Ah merde, attends. Comment dire... attends. Yon le papillon, c'est bon ou pas? Redis-moi, j'ai enlevé le screen, mais je sais pas si c'était bon. C'est bon, merci. Ok, ouais, super. Alors, dans ce cas-là, je vais juste valider les 5 gagnants. Voilà qui est fait. Et je vais archiver ce concours. Et puis voilà, quoi, en fait. Putain, what a stream, quoi. Il devrait y en avoir 21. De colis, non, j'en ai 22 en tout. 22. Bah en gros, il y a autant de colis que de dizaines. Donc 220 subs et quelques, ça fait 22 colis. Ah non, c'est bon, le compte est bon. De toute façon, je peux rien vous faire gagner de plus parce que j'ai rien d'autre à ouvrir. Hein. Voilà, honnêtement. Bah encore merci en tout cas d'avoir suivi ce long stream ouverture. Putain, on a quand même eu des dingueries.